عليكم الإخوة. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne cours sciences de l'ingénieur. Alors, toujours dans la série des exercices consacrés à la transmission de puissance, alors je vous propose ici un autre sujet. C'est une pompe Monovis, d'accord? À la pompe Monovis qu'on va essayer d'étudier ici, il est utilisé fluid remover, d'accord? Alors on l'utilise en général pour amener la pâte de l'olive vers le poste de la centrifugation, d'accord? Bien sûr, enfin, le sujet, on va pas s'intéresser les différentes étapes ou bien le processus de la production de l'huile, fluid remover, parce que ce qui nous intéresse, le sujet là, c'est l'étude de la pompe Monovis. Alors le dessin d'ensemble du système à étudier à Awa, d'accord? Awa, la nomenclature de l'eau, d'accord? Il y a la nomenclature. Alors pour le fonctionnement, c'est très simple. Alors vous avez ici le moteur électrique, Awa. Awa, l'arbre moteur DN2. Ici, c'est un réducteur. Comme on a un réducteur en engrenage. Comme on a un accouplement. Comme on a la vis sans fin. D'accord? La vis sans fin. D'accord? Et la vis sans fin, c'est elle qui assure le transfert. La vis sans fin, c'est elle qui assure le transfert de la pâte d'huile, la pâte d'olive, d'accord? C'est elle qui assure le transfert de la pâte d'olive vers le centre de la centrifugation, d'accord? Bien sûr, la partie qui est entre la pâte d'olive n'est pas représentée, d'accord? D'accord? Alors, le blasamine qui est entre la pâte, ou bien le point d'huile, le point auquel on introduit le point d'introduction de la pâte d'olive, il n'est pas représenté sur le dessin, mais uniquement ce qui est représenté ici, c'est le mécanisme qui permet de mettre en rotation la vis sans fin 21. D'accord? Alors le système à étudier, il est composé par quoi? Il est composé, comme j'ai dit, par un réducteur à engrenage, un roi. Avec un accouplement, d'accord? Un accouplement aussi, d'accord? Alors les différentes questions ici, la première partie, il s'intéresse à l'étude fonctionnelle et technologique, d'accord? Bien sûr, la construction des graphes, la construction des groupes cinématiques, le graphe de liaison, ainsi que le schéma cinématique à compléter, d'accord? Ensuite, l'étude de quelques pièces, leur rôle des pièces 8 et 22, ensuite la méthode utilisée pour le lubrifier le réducteur, le mécanisme, comme je l'ai dit, qui est composé par les pièces 14, 15, 6, la fonction principale de l'eau. Ensuite, on a l'étude mécanique. D'accord? On a l'étude mécanique. Il s'intéresse à l'étude cinématique de l'eau réducteur, quelques calculs, d'accord? Pour déterminer le diamètre, ainsi de suite, et tout ça, d'accord? La vitesse moyenne. Ensuite, quand je joue la partie de la résistance des matériaux, bien dit, le dimensionnement de l'arbre 24, d'accord? Alors, si vous avez envie que je vous fais la correction, il suffit de le signaler dans le commentaire, d'accord? Si vous avez envie que je fasse la correction du sujet là, il suffit un homme de relier le commentaire. Il suffit de commenter les commentaires par ah oui ou bien comme vous voulez. Mais il faut le signaler le commentaire. D'accord? Alors, je vous souhaite bon chance à l'exemple. C'est un exemple qui est intéressant. D'accord? Alors, je vous invite à essayer de le travailler chez vous.